fait intervention Tibouin en suite à sa Rosan Mounier parler, c'est historique à l'officier Guadeloupe. Ils n'ont pas réalisé en fait que le conseil départemental de Jourdan, qui est le plus gros propriétaire foncier à pays là, il n'a pas vu une propriétaire comme ça. C'est parce qu'il y a un et il partit, ils font pas ça, c'est l'esclavage. D'accord? Ça veut dire que quelque part, nous déjà payé terrasse. Jodi là, allez nous parler. En tant que maître de dire ça, Rosan, il a invité des vins en Guyane en mois de novembre. Pour expliquer Guyanais et lui Guyanais qui ont un problème foncier agricole en Guyane, là c'est l'État qui est propriétaire, qui j'ai nominé des combats de telle sorte que les collectivités ici trouvent unité. Ça veut dire qu'expérience en nous, d'autres mondes bisent pour pays. Combat que nous menons ici en Guadeloupe et qui fait en sorte que le conseil départemental jaune là, c'est un équipe gros propriétaire foncier, en Martinique ça n'a pas fait. Ici en Guadeloupe, Guadeloupéen qui a possédé. Et quand je reprends pour pouvoir dire mon là, 80% à leur foncier agricole, il y a un meilleur Guadeloupéen. Or, en Martinique, c'est 5 familles béquées qui n'y étaient dans le meilleur. Ça veut dire que nous avons une histoire qu'il faut nous respecter. Et à pas parce que le conseil départemental, je dis là, plus gros propriétaire foncier grâce à combat à monde, qui a été fait n'importe qui bité là. Et en cas du mon là, et en cas du lycée total, que le repli, avant de fait, le repli à bon défaite, nous pouvons faire un repli stratégique et revenir sur des bases. Ça simple, j'en dis là, tout à l'heure j'ai annoncé quoi, projet là, c'est 55 millions. Mais 55 millions, c'est rien. Ça veut dire que si action projet à 1 milliard, qu'ils ont arrêté à Nantes, à Notre-Dame-des-Landes, que tu as besoin de piste d'aviation, ni moyen arrêter un projet à Total ici. Et là, on voit monsieur Total. Qu'a fait mention de la montagne d'or également. L'émission Total qu'a fait mention de développement durable, de protection de la planète, a qu'a dit qu'il ne faut pas limiter le raisonnement, il faut limiter le raisonnement global. Je dis là, moi-même, j'ai un laitier, pour moi-même, j'ai une tomate, il faut y traverser 4 océans pour arriver à cette moindre. Ça veut dire tout simplement qu'il y a une logique dans le fonctionnement de l'humanité. C'était la mondialisation à tout va. D'ailleurs, il y a des gens qui ont besoin de protection, ils ont besoin de nous pour des gens fous. Je dis là, tout le monde a besoin de protection. Parce que tout le monde réalise que nous ne pouvons pas dépendre autant de l'extérieur. Là, on voit, ils vendent nous l'Europe, ils vendent nous, on a frontier, on a montré les autres la nuit. Et là, nous avons risqué d'ailleurs, et ça a dangereux. Là, on voit qu'ils vendent nous l'Europe, ils ont dit nous pas contents des autres agriculteurs de 500 000 habitants. Pas même contents des autres de 500 millions habitants, de 50 millions de population à la France. L'Europe a eu nous 500 millions de clients potentiels pour nous faire aussi café à eux et faire banane, ils ont fait des serres. Et là, on voit ça signer, nous accepter ça. Et bien, le lendemain, l'Europe mettait qu'à signer toute espèce d'accord et tout pays du monde. Parce que l'Europe a fait avion, parce que l'Europe a fait voiture, parce que l'Europe a fait centrale nucléaire, parce que l'Europe est en territoire industrialisé. Et comme il faut y vendre tout ça, il faut y vendre ça à côté à moi, à Dominique, il faut y vendre ça à côté à Costa Rica, il faut y vendre ça à côté à moi, à Saint-Domingue, et bien il a dit comme ça, mis ça en caméra, il faudrait acheter ça, mais à moi, ces pays-là, ça n'a pas produit ça, on sait bien qu'on va mettre ici dans la négociation là, c'est agriculture. Et par conséquent, il n'y a pas autorisé sa critique, ça avait une concurrence et nous, ici en Guadeloupe. Et nous parlons ici à manger tomates et les tigres en Thaïlande, alors que nous pouvons produire ici. Donc le développement durable est global. Ça veut dire qu'il faut nous faire en sorte que bateau arrêté, river, traverser la mer, qu'avion arrêté, voyager comme ça pour m'aider à manger par monde. Et donc, pour nous, nous participons au projet éolien. Et pour nous, nous payons nos pesticides que nous comptons le développement des jeunes d'énergie renouvelable. Parce qu'en Guadeloupe, nous n'y ça à profusion, nous n'y soleil à profusion, nous n'y vent à profusion, nous n'y géothermie à profusion, même si vous venez pas américain et israélien, mais nous n'y aussi on peut que vous pas parler d'ailleurs. Nous avons fait un barrage de Moro, bien quel que soit barrage là, pour nous barrer de l'eau, pour nous voir de l'eau descendre. En Dominique et à la Guyane, c'est ça qui a représenté plus en termes de production d'énergie, c'est-à-dire des turbines de l'air, barrages, des turbines en rivière. Nous pas parler de ça. Donc, je dis là, il faut que Total accepte un repli stratégique pour nous revoir le projet là et revoir le contour du projet là. Un petit canal
toujours pendant que petit cas, il a gagné 10 à 20% à deux projets là. Et donc, nous allons faire des côtés là où c'était là, moins cultivable. Mais c'est ça, à mon avis, que c'est le meilleur scénario là. Et ensuite, nous avons des cadres. En France, les énergies renouvelables à développer. En Europe, les énergies renouvelables à développer. Pour plusieurs raisons. Mais nous, bien certains, c'est que les pays interconnectés. Demain, si par exemple, nous surcharge de production à l'air réseau en France, ils ont balancé sur le Portugal, ils ont balancé sur l'Espagne, bref, ça interconnecté. Or, aujourd'hui, dans le raisonnement à la production de solaire ou d'éolien ici, ça considéré comme étant une énergie aléatoire, n'est-ce pas? C'est une énergie aléatoire. Et donc, par conséquent, demain, lorsqu'il y aura trop d'énergie sur le réseau, vous aurez voulu cette rose, à part tout le temps que c'est éolien, là, quand on a 8, vous parlez de 2, 3 qui arrêtent. À coup sûr, moi, parce que c'est vrai que c'est éolien dans le petit canal là, qui arrête. Et donc, par conséquent, nous pas dire, on nous rêverait, on nous va faire, on nous fera plus stratégique. On va proposer que nous fassions une plus stratégique. Que nous arrêtions tout ça qu'a fait la moyen là, que nous parlons nous, et nous va dire, peut-être, mille là, ça plus intéressant d'installer ces éoliennes là. D'accord? Et donc, parce qu'on a total énergie gagnante, la ville de Petit Canal gagnant, puisque nous payons un négocié, nous payons pour un éolien, nous payons peut-être des. Et donc, par conséquent, à un moment-là, ça, tout le monde qui a sorti gagnant, ils n'ont pas touché. Et le principe de dire qu'il y a des gens qui n'y baillent et qui acceptent le projet de la cité-là, ça n'a pas qu'à compter pour nous. Il s'agit pour nous de mettre en tête dans nous. Je dis là, nous, il y a d'accord avec vous, nous, c'est nous qui propriétaires de cette terrasse, nous avons dit, nous ne voulons pas y comme ça. Donc, il faut être capable d'être nous, les Nougadou, nous ne voulons pas être pour ça. Et donc, il faut nous capables d'inciser et d'imaginer un schéma qui va mettre en collaboration, donc belle cohabitation, la production agricole pour nous, ça va manger, et la production d'énergie parce que nous avons besoin effectivement que la production d'énergie développe en vrai. Oui. Oui, merci, monsieur Bondou.